Le problème, c'est l'homme intérieur. Est-ce que ce cœur est vraiment régénéré? Lisons Ézéchiel 36. Nous pouvons nous tenir debout, excusez-moi. Ézéchiel 36. Notre frère Danny de l'Allemagne, c'est lui parfois qui fait la traduction, qui traduit frère Franck à l'absence de frère Jean Lambert. Il vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ce frère a désiré vivement de venir nous rendre visite vendredi ou dimanche. Mais comme nous aurons le frère Christophe, il peut venir prochainement. C'est un bien-aimé, il m'a téléphoné hier et il vous transmet les salutations en Jésus-Christ. Amen. Ézéchiel 36, le verset 20. Le verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Amen. Je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Nous parlons du renouvellement ou ce cœur de l'homme. Nous avons montré dans Jérémie 17, où cette écriture nous parle, nous montre clairement, Jérémie 17, le verset 9, que le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut connaître ce cœur? Vous voyez, moi l'Éternel, je prouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Vous voyez que ce que nous faisons, chacun rendra compte de ce qui sort de sa bouche, même de ses actes qu'il pose. Parce que la Bible nous dit, il rendra à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Et que Dieu bénisse nos techniciens. Vous avez vu, on a quand même projeté les cantiques là-bas. Vous voyez que le travail continue. Nous pouvons quand même le dire aussi, que Dieu les bénisse richement. Donc, il rendra à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur. Nous sommes assis. Mais le problème, c'est le cœur. Le cœur. Vous pouvez voir quelqu'un qui est là, qui était bien avec sa femme. Un jour, cet homme, il devient méchant, il devient cruel. Commence à battre sa femme, à la maltraiter. Alors que c'est la même personne qui avait dit des très bonnes paroles. Et vous trouverez la femme qui dit, « Ah, chérie, je pensais te connaître. » Oui, oui. Parce que l'intérieur, le cœur, il n'y a que Dieu seul qui connaît le cœur de l'homme. C'est pourquoi, si nous venons auprès de lui, nous devons vraiment être sincère. Amen. Sonde-moi. Amen. Éprouve-moi. Amen. Regarde-moi, Dieu des cieux. Amen. Si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Dieu n'a jamais repoussé un cœur contrit. Amen. Dieu aime l'homme. Amen. Dieu aime l'homme. Amen. Dieu t'aime. Amen. Qui le croit? Amen. Nous devons, il y a des choses. J'aimais beaucoup notre bien-aimé frère Jean-Claude de répéter toujours ce que frère Fong disait d'un frère là, ce frère polonais, où quand frère Fong lui parlait, il était toujours j'accepte, Amen. J'accepte. Dans les affaires de Dieu, il faut s'y mettre. Amen. Il faut. C'est quoi? Vous pouvez voir
Même dans 1 Jean 4, où Jean peut dire, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Amen. Après, au verset 6, il dit, nous. Donc, Jean aussi s'inclut. Ah! Il dit, nous, nous sommes de Dieu. Amen. Celui qui est de Dieu nous écoute. Amen. Vous voyez, dans les choses, dans les affaires de Dieu, ne laissez pas la place. Bon, écoute, frère de Donné, je te laisse. Là, et moi, et lui, et le frère Jean-Claude, pour là-haut, nous prêchons tous. Mais si une voix dit, bon, ici, comme il y a quatre prédicateurs, il y a un qui doit aller. Est-ce que frère Ephraim, tu vas me laisser la place? Hein? Pourquoi jamais? Hein? Vous voyez que dans les choses de Dieu, hein, où tu laisseras la place à la sœur Patricia? Pourquoi non? Mais tu l'aimes bien. Vous voyez. Donc, même sa femme, oh, mon frère, ma sœur, dans les choses de Dieu, dans les choses de Dieu, tu dois mettre ton nom. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous lisons, par exemple, Esaïe 53, lisons un peu ça. Il faut s'y mettre là-dedans. Là. Il faut pas laisser ça pour les autres. Lisez avec moi Esaïe 53. Et j'aimerais qu'en lisant, chacun mettra son nom. Amen. Tout le monde a une Bible. Amen. Ok, ça va. Lisons. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Amen. C'est bon. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Amen. S'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejetant qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes. Abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on a détourné le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Bon, le verset 4. Là, nous tous, chacun va mettre son nom. Cependant, c'est sans... Ah! Qui l'a porté? C'est de... Qui s'est chargé? Et je, considéré comme puni de Dieu, frappé, comme puni et frappé, et de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour brisé pour mes iniquités. Les châtiments qui me donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que je suis. Croyez-vous cela? Amen. Ah, donc si nous croyons ça, ce matin, celui qui est malade, qui reçoive sa guérison. Amen. Alléluia. C'est par ces meurtrissures que je suis. Amen. Frère bien-aimé, si vous le croyez ainsi, même la maladie n'aura pas de pouvoir sur toi. Amen. Parce que Jésus a porté ça. Amen. Frère, dans les choses de Dieu, je m'inclus. Je mets mon nom. Il me connaît par mon nom. Il m'a aimé et il m'aime. Il m'aime d'un amour éternel. Ça, il faut croire. Donc, cette promesse d'Ézéchiel 36 me concerne. Alléluia. Il ôtera de mon corps ce cœur de pierre. Il me donnera un cœur nouveau. Amen. Pour l'accepter. Amen. Et lui dire, Seigneur, fais cette opération. Amen. Cet homme, c'est un chirurgien terrible. Il a fait, il a mis Adam dans un sommeil. Il ouvre son côte. Il tire une côte. Et puis Ève est là. Il referme. Adam, il peut regarder. Pas de cicatrice. Frère, même ce matin, par la foi, si vous le croyez, amen, cette opération va s'opérer. Amen. Alléluia. Amen. Tu avais un mauvais cœur, mais après, tu regardes, tu dis, je ne comprends rien. Amen.
Les mauvais sentiments que j'avais envers ma soeur, je le sens plus. Il vient là, tu es là. Frère, bien-aimé, écoute encore ceci. Oh là, écoutez, j'aime ça ici. Regardez, lors de la prédication de l'évangile, comme là, comme ce matin, différentes expériences sont faites par les auditeurs croyants. Amen. Alléluia. Dans lors de la prédication de l'évangile, comme ce matin, différentes expériences sont faites par les auditeurs croyants. Écoutez ce qu'il dit. Lorsque Pierre prêcha dans la maison de Corneille, au cours d'une seule prédication, Pierre chez Corneille n'a pas tenu 2, 3, 4 prédications. Une seule prédication, l'auditoire a fait toutes les expériences. Et il dit ceci. Écoutez, lorsque Pierre prêcha dans la maison de Corneille, au cours d'une seule prédication, toute l'œuvre de Dieu s'accomplit en une seule fois. Amen. Allant de la conversion jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, écoutez ce qu'il nous dit. C'est selon la position intérieure de l'auditeur, de son attente dans la foi et de la pleine autorité de la prédication que l'Esprit de Dieu peut agir. Amen. Donc si ce matin, vous êtes dans une attente, Seigneur, parle-moi. Seigneur, guéris-moi. Accorde-moi ton esprit. Vous êtes dans cette attente. Comme il nous dit ici, mon frère et ma soeur, lors de la prédication, c'est selon la position intérieure. Amen. Mais lorsque vous venez déjà avec des jugements, ah, mais je sais ce que le frère va nous dire. On aligne un frère, à partir de la semaine prochaine, c'est tel frère. Oh, lui déjà, c'est fini. C'est fini. Dieu ne vous parlera même pas. Parce que vous l'avez déjà rejeté. Lui déjà, on sait de quoi est-ce qu'il va parler. Lui, il parle toujours des mini-jupes. Fini. Même là où Dieu voulait te parler, mais il trouve déjà un mur. Mais lorsque vous venez, on proclame, frère Christophe vient vendredi. Oh Seigneur, mets des paroles. Amen. C'est pourquoi vous aussi priez pour nous. Amen. Priez puis aussi pour nous. Seigneur, quand je quitte chez moi, je pars à l'église, je ne pars pas pour que l'homme-là me parle. Non, que toi, tu me parles. Amen. Alors, mets des paroles appropriées dans la bouche de ton serviteur. Lorsqu'il ouvrira sa bouche, que je sois béni, que je sois édifié. Amen. Dans cette attente-là, Dieu vous parlera. Amen. Et vous bénira. Amen. Le problème, c'est vous êtes dans quelle attente? Mais si déjà vous venez avec des jugements, des critiques, que celui-là, on le connaît déjà. Lui, il va monter que pour dire ça, Dieu ne vous parlera même pas. Mais lorsque vous venez avec une attente, que Seigneur, parle-moi, il nous dit ceci. J'aimerais relire. C'est selon la position intérieure. Amen. Nous insistons. Même ce matin, même pour le baptême, celui qui m'a posé la question, peut-on se refaire baptiser? Si tu avais pris ton baptême pour plaire à ton père, à ta mère, à ton, non. Il faut que le cœur soit vivement touché. Amen. Je suivais frère Franck encore. Il parlait de frère, je pense de frère Ous. Il dit, baptiser pour baptiser. Et les gens restent comme ça, 10, 15 ans, sans le Saint-Esprit. Ça sert à quoi? Le baptême véritable dans l'eau et le baptême du Saint-Esprit vont ensemble. C'est lui qui a fait une réelle repentance, une véritable conversion, un véritable renouvellement. Le Saint-Esprit ne traîne pas. Il ne traîne pas. Mais pourquoi chez nous ça traîne jusqu'aujourd'hui? Est-ce que réellement votre baptême, votre départ a été vrai? Si tu l'as fait pour faire plaisir à ton père, à ta mère, mon frère et ma soeur, tu ne pourras pas avancer. Ils eurent le cœur vivement touché. Amen. Lorsque le cœur est touché,
Mon frère et ma soeur, là, il y a quelque chose qui va s'opérer à l'intérieur de toi. Tu deviens une nouvelle créature. Aujourd'hui, des gens sont dans, ils ont pris de baptême, mais ils continuent leur marche. Les uns vivent comme ils veulent. Les autres veulent devenir des grands stars dans ce monde. Mais ils vont à l'église, ils sont fiers d'être à l'église. Néanmoins, continuons leur marche. Ça, c'est faux. Nous ne sommes pas ici pour être des stars dans ce monde. Nous sommes ici pour le départ. Amen. Et nous croyons que ce n'est pour bientôt. Amen. Ah, c'est pourquoi, dans cette prédication chez Corneille, là, notre bien-aimé nous dit, toute l'œuvre de Dieu s'accomplit en une seule fois. De la conversion au baptême du Saint-Esprit. Selon la position intérieure. Vous voyez? Donc, que Dieu nous aide. C'est pourquoi nous avons montré. Il est important que chacun de nous fasse des expériences réelles. Que le cœur, le problème, j'insiste, mes frères, le cœur. Mes frères mariés, vraiment ton cœur, est-ce que réellement tu aimes ta femme? Au lieu de lui dire par la bouche, mais tais-toi, produis des actes. L'amour sans preuve n'existe pas. Dieu qui a tant aimé le monde, il a donné. Pas un ange, il a donné la meilleure chose. Dire à sa femme que je t'aime, mais on la maltraite. Vous savez, faire souffrir sa femme, hein, la maltraiter. Tu dis, mes frères, je n'ai jamais tapé ma femme. Elle est là. Ça fait 15 ans, je n'ai jamais, même pas giflé. Mais tu la maltraites. Elle souffre moralement. C'est pire. C'est pire. Une femme doit être heureuse auprès de son mari. Elle doit se sentir en confiance. Elle doit se sentir protégée. Elle doit se sentir aimée. Ah! Donc, soyons vrais. Mes frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Soyons vrais. Nos maisons doivent être des maisons de joie. Non. Écoutez, une femme, vous pouvez tout nous dire. Vous pouvez vous appeler tous les noms, tous vos sobriquets que vous voulez. Mais juste son visage nous parle. Vous savez, même quand on dit à un frère, que Dieu te bénisse, frère de donner peut lire sous mon visage. Sous mon visage. Que ça, c'est un hypocrite, ou celui-là est vrai. Juste mon visage. Quand je veux, juste mon visage. Vous savez, l'Éternel est allé chez Caïn. Il dit, Caïn, le mal est à ta porte. Il dit, comment ça? Ton front. Vous pouvez tout nous dire. Vous vous appelez des petits noms, des petites histoires. C'est pas grave. Moi, je peux m'étonner, je regarde juste le visage de ta femme. Je sais voir. Cette femme est heureuse. Ou bien, elle est toujours triste. Ça se lit. Même la joie du salut se lit. Amen. Celui qui a réellement goûté Golgotha, qui a réellement goûté Dieu, même son visage parle. Amen. Alléluia. Il a la joie du salut. C'est une personne, une femme. Quand on voit la sœur, on dit cette sœur réellement est sauvée. Frère, quand on est sauvé, on est joyeux. Amen. On a la joie. Ce n'est pas des choses à fabriquer. Celui qui fabrique la joie du salut, vous verrez, ça n'ira pas loin. Mais celui en qui a l'expérience réelle et vraie de Golgotha, ma soeur, mon frère, tant de maladies, tant de disettes, qu'il y ait des souffrances ou quoi, la joie du salut resplendit. Alors vous vous posez la question, comment cette soeur, malgré ça, mais comment elle tient? Oui, il y a un secret. Amen.
son Dieu est son refuge. Mon frère, ma soeur, son Dieu est ton refuge. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Ton Dieu, malgré les problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Ah, frère Bovic, moi, je ne viendrai plus à votre église là. Ah, ça devient votre église. Avant, c'était notre église. Quand il y a un problème avec son mari, votre église là, je ne viendrai plus. Ah! Votre église. Tu n'as pas encore fait une expérience avec le Seigneur. Celui qui a fait une expérience, un cœur régénéré, malgré les hauts et les bas. Même si on fermait cette église, chacun est chez lui. Comme on était pendant la période de Covid, là, ma foi ne peut pas s'ébranler. Parce que je sais en qui j'ai cru. Le psaume 90, lisons un peu ça. Ça doit être des paroles vraies. Que Dieu nous aide ce matin, mon frère. Le psaume 90 nous dit quoi? Non, c'est pas, vous voyez? Ce n'est pas le psaume 90. 91, merci mon frère. Celui qui demeure. Le problème est de demeurer. Le problème ici est de demeurer. Pas pour un temps, demeurer. Sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car celui qui te délivre du fléau de l'oiseleur, de la peste de ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Écoutez, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Amen. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Ce sont des paroles que vous devez accepter. Dis, je crois en ça. Je crois en ça. J'accepte. Ces paroles sont pour nous. Vous voyez, un enfant de Dieu. Tu n'es pas seulement enfant de Dieu, mais on t'appelle ami de Dieu. Jean 15. Lui, parlons un peu d'un ami. Un ami qui trahit. Ici, on a des amis qui trahissent. Est-ce que c'est un ami? Un ami. Jean 15, mon frère Montis, lisons. Avec moi, c'est Jean 15. J'ai écrit là, le verset 14. Lisez un peu avec moi. On va aller. Vous êtes mes amis. Nous parlons du renouvellement, le cœur de l'homme. Vous êtes mes amis. On va crier des amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais, il y a ainsi. Mon frère Nico. Donc, vous êtes mes amis. Alléluia, gloire à Dieu. Non, ne nous arrêtons pas là. Il y a ainsi. Qui dit quoi? Si vous faites ce que. Ah. Alors là, tu es appelé ami de Jésus. Ami de Jésus.
Dominion divin. Il y a encore un cantique qu'on chante. Ami, ami, prenez courage, votre rédempteur vit. Mais, ami, si vous faites ce que je vous commande. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il nous commande? Verset 17. Ce que je vous commande, c'est de faire quoi? De vous aimer. Ah. Alléluia. Donc, il nous commande, aimez-vous les uns les autres. Mais toi, tu as un cœur d'amertume. Tu t'appelles ami de Jésus en quoi? Frère, on doit sortir d'ici même en larmes, tous ici. Ce sont des paroles qu'on lit, on crie d'alléluia, mais, je dis bien mais, les cœurs ont toujours, c'est que mon frère Jean-Claude appelle toujours, le canto munda. Je ne sais pas comment le dire en français, je ne sais pas. Un sentiment bizarre, oui. Mais en Chiluba, ça donne bien, hein? Canto munda. Non, vaut quelque chose dans cette... Canto munda. Tu vois, ça sonne très bien. Répétons-nous tous un peu de canto munda. Quoi? Est-ce que vous sentez ce... Mais canto munda, tu vois, ça. Hein? Il y a un petit truc là. Hein? Des faux, bizarre, oui. Vous voyez que c'est vraiment... C'est sérieux. C'est sérieux. Chacun s'examine. Cette sœur-là, je ne la sens pas. Non, frère, je ne la sens pas. Est-ce que c'est ce qu'il nous commande? Non. Alors, tu es ami de Jésus en quoi? Tu es son ami en quoi? Mes frères et sœurs, ce jour-là, je peux le dire même en soi, Tushiri, ne pleurons pas. Ne pleurons pas. Ça sera douloureux. Ça sera douloureux. Avec des christianismes, des brochures, mais tu rates l'enlèvement. Ça sera dur. Ça sera dur. Très dur, ces jours-là. Ça sera mal. Tu penseras peut-être que ta femme est allée à la toilette au petit coin. Tu attends. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, peut-être comme hier, le temps de la fête, elle a peut-être des maux de ventre. Peut-être elle va revenir. Une heure, deux heures. Mon frère, maintenant, trois heures. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Tu sors, tu pars à la toilette, il n'y a personne. Tu ouvres la chambre des enfants. Parce que nous disons toujours que ce sont les enfants qui vont rester. Les parents partiront. Ça peut vous surprendre. C'est toi le père qui reste. Tu joues l'hypocrisie. Tu ouvres la chambre des enfants. Ah! Dans le couette, c'est vide. La Bible dit, en un clin. Est-ce qui peut faire un clin? Donc, je sais, le temps de faire ça, Bovic a déjà disparu. Donc, tu n'as même pas le temps de l'attraper. Tu n'as même pas ce temps. Et tu comprendras que les gens sont partis. Alors là, c'est même toi qui vas dire, ils sont partis. Parce que lors, la radio peut dire, il y a des disparitions. Toi, tu peux dire, non, ils sont partis. Et si c'est toi le pasteur qui prêche, tu restes. Les brebis qui vont te trouver ici mardi peuvent te faire du mal. Parce qu'il y aura toujours un petit groupe. Hein? Non, nous rions, mais... Quand moi j'y pense, c'est pourquoi quand nous sommes ici avec nos frères, parfois vous nous voyez pleurer. Parfois les gens pensent qu'il a péché. Nous pensons ce jour-là, même toi, pasteur, prof ou qui que ce soit, Dieu ne fait pas de favoritisme. Non. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il a dit à Moïse, c'est assez. Cette affaire-là, on n'en parle plus. Cana, voici, entrez, tu n'entres pas. Fini. Moïse, et toi, tu vas venir jouer et Dieu te dit, viens passer. Non,
Il y a eu des Jean-Baptiste à qui on a décapité la tête. Et tu veux être avec eux ainsi, toi dans les plaisirs. Vraiment, prenons en sérieux ces réunions. Jésus revient. Il revient. Sûr et certain, il revient. C'est sûr, mon frère. Toi, tu veux rester un grand star. Dans le foot, dans la boxe, dans le basket, dans le tennis, dans la natation. Reste un grand star. Mais nous, ce n'était pas. Amen. Mes frères, que Dieu nous aide. Amen. Il revient, il revient. Amen. Ce jour-là, nous serons les plus malheureux. Les plus malheureux. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Il faut que chacun puisse dire, moi, j'irai. Amen. Il revient. Jésus revient. Il revient. L'heure est déjà avancée. Zacharie nous dit vers le soir. Mais nous ne sommes plus au temps du soir. Le temps du soir est déjà passé. Nous sommes au temps du minuit où le cri retentit. Sortez! Sortez! Voici l'époux. Allons à sa rencontre. Il est là. C'est ce message que nous crions nuit et jour. Réveillez-vous. Où iras-tu avec ce cœur mauvais? Avec ce sentiment-là? Cette sœur, je ne la sens pas. Même quand elle me regarde, je ne la sens pas. Vous savez, une personne régénérée, née de nouveau, avec l'Esprit de Dieu en lui, peut supporter. Amen. Quand Frère Franck va nous dire, mon frère Jean-Claude, que si Satan, il ferait quoi? Pardon. Ah, Satan, que nous tous, on peut, si on le trouve ici, on peut le décapiter. Mais il vient vers toi te demander pardon. Toi, tu vas accepter. Tu m'as mis des chaos. Moi, tu demandes. Mais lui dit, je suis prêt. Frère, c'est quelque... Non. Une personne régénérée. Hein? Même quelqu'un qui t'a fait du mal, tu regarderas cette personne, tu auras même pitié, tu auras l'amour de la personne. Tu n'auras, au lieu d'avoir la haine qui monte, mais tu vas l'aimer. Si elle connaissait Christ, elle ne ferait pas ça. C'est la prouve qu'elle ne connaît pas Christ. Et tu prieras pour elle. Une personne régénérée peut vivre... Même avec une belle-mère qui est. Mais toi, tu vivras avec elle. Elle sera même à l'aise. On me dit, comment ça s'est fait? Oui, il y a quelque chose en moi. Mon frère et ma soeur, le problème, c'est le cœur. Le véritable renouvellement. Moi et ma belle-mère, jamais on peut se parler. Et tu attends l'enlèvement? Je ne comprends pas ce qu'elle enlève et vous parlez. L'enlèvement, mon frère, Jésus-Christ, qui descendra, qui restera dans les airs. Ah, avec un cri de commandement, où on voit les William Branham, tous les autres, les morts en Christ sortir. Maintenant, il faut monter. La rencontre, c'est dans les airs. Et toi, avec ton cœur là, méchant, tu iras te trouver avec cette sœur à table là. Non, tu commenceras tes guerres là-bas. Nous, on ne veut pas. Là-bas, c'est la paix. Là-bas, c'est l'amour parfait. Alléluia! Déjà ici-bas, ton cœur doit être renouvelé. Amen. Où veux-tu aller avec ce cœur-là? Où? Jusqu'à quand allons-nous prêcher? Ma soeur, si la prédication n'était... Vous savez, nous avons des infirmières ici. Quand on est malade, on donne le dafalgan. Et elles sont là, ma soeur est là, et ils vont te dire, après 4 heures, tu sentiras des effets. Si c'est 4 heures ou je ne sais pas. Après, ah, tu as transpiré? C'est très bien. Le médicament produit, monsieur. La fièvre, on voit les effets. La personne transpire, on voit. Mais la parole, c'est un médicament. Amen. Mais lorsqu'elle nous est prêchée, elle doit aussi produire des effets. Amen. Mais où sont ces effets? Où sont ces effets? C'est des cœurs de haine et d'amertume. Et on mange la Sainte-Seine et on demande que Frère Cuira fasse trois tours. La coupe, il n'y a pas.
On demande que Frère Guira, il dit, il s'est arrêté là. Moi, j'ai bu qu'une fois. J'ai bu. Mais écoutez, on vient pas boire ça, c'est bon. Ah, c'est... Non, non, non. Lorsque nous faisons le repas du Seigneur, nous annonçons quelque chose. Et nous avons lu avec vous, Frère Franck, il dit la signification de la mort de Jésus, c'est de nous ramener à Dieu. Amen. Alléluia. C'est nous ramener, nous ramener, nous ramener. Donc, la communion qu'il n'y avait plus, quand il est mort, il nous a ramenés à lui. Nous lui appartenons. Mais tu lui appartiens avec un cœur méchant. Dieu est amour. Si tu es à lui, tu dois recevoir l'amour. Donc, ce ne sont pas des mathématiques, des x, y au carré. Non, c'est simple. Dieu est amour. Celui qui est né de Dieu, il doit recevoir l'amour. C'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Il n'y a pas de nouvelle naissance. Tu es enfant de Dieu, mais avec la haine. Tu n'y es pas. Ça, c'est aimé à la manière de Caïn. Caïn, la preuve qu'il n'était même pas d'Adam, il était un meurtrier. Alléluia. Adam était fils de Dieu. Et aucun fils de Dieu n'est meurtrier. Non, non. Aucun fils de Dieu n'est meurtrier. Aucun. On répète, aucun fils de Dieu n'est meurtrier. Amen. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas l'évangile du salut que nous croyons. L'évangile du salut. Mais bien aimés frères, nous qui étions autrefois dans cette salle, tous on a des autrefois. Amen. Alléluia. Amen. Mais maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Alors il nous dit, vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Le verset 17, non 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, mais moi, je vous ai choisi. Soyez-en fiers. Une femme, moi je donne toujours des exemples, une femme dont un homme choisit, je vois, hein, elle est fière. Et puis quand on lui met sa bague, elle fait. Parce que pourquoi? Je suis choisi parmi. Elle montre son alliance pour dire qu'on était à 40 jeunes filles, je suis celle qui est choisie. Alléluia. Nous aussi, parmi les milliards et les milliards, il nous a choisis. Alors j'en suis fier. Je ne vais pas abîmer le choix. Parce que même celle qui est choisie, elle doit garder ça. Attention, tu es choisi, mais tu te prostitues. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, attention avec Vasti, hein. N'oubliez pas ça. Je suis choisi, donc je suis libre à faire tout ce que je veux. Et il y a Vasti qui avait perdu ça. Et Esther a pris la place. Amen. Tu es choisi, oui, mais il faut garder. Amen. Ah, que Dieu nous aide. Amen. Il nous a choisi. Amen. Soyons dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Oh là 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 là. Bien aimé frère, il m'a choisi. Amen. Oh. Ah. Il regarde sous la terre une famille de 12. Qui es-tu? Mon frère, ma soeur. En tout cas, alléluia. Qui es-tu? Une famille de 12. Il regarde, il dit, Quira, viens. Amen. Ah, la grâce, mon frère. Amen. La grâce, mon frère. Alléluia. Alors cette grâce, prenez-la comme grâce. Alléluia. Ne l'abîme, ne jouez pas avec ça. Parce que la grâce fait cesser la désobéissance. Alléluia. La grâce fait cesser la désobéissance. Un enfant de Dieu est un enfant obéissant. Ouais. Ah, il regarde ton père, un idolâtre. Mais Dieu l'a gardé. Ton père, il naît prématuré. Il n'y a pas de courant au Congo.
mais il ne meurt pas. Pourquoi il ne meurt pas? L'œil de Dieu. Je ne sais pas comment ce que vous... Ton père, il est dans une couveuse. Il n'y a plus de courant. Mais toi, lui, il naît, il grandit. Ta mère, un bateau coule dans le lac du Katanga, si c'est où là. Mais ouais, il y a une survivante. C'est ta mère, des idolâtres. Mais Dieu n'a pas besoin d'eux. Lui, c'est toi. Il garde le père là, il garde la mère là. Un jour, ton père vient dire, ah, toi, je t'aime. Il se marie. Tout ça, Dieu, lui, c'est toi. Toi, tu nais, son problème commence. Maintenant, le problème de Dieu commence. Son programme avec toi sur la terre commence. Mais lui, il t'a fait dans l'éternité. Mais quand tu nais, son programme avec toi sur la terre commence. Il te conduit. Tes amis viennent et te prennent. On va les voler quelque part. Allons-y. Ils entrent dans la maison. Toi, tu veux entrer. Tu sens que toi, non. Tu dis, bon, vous entrez, moi, je reste ici. Je vais voir si la police vient, je vais siffler. Si je siffle, sortez. Mais après, tu ne comprends pas. Allons faire ça. Non. Un jour, l'évangile vient. Il parcourt la terre. C'est pourquoi nous voyageons parfois pour une âme. Amen. Le stade peut être rempli de 15 000 personnes. Frère Franck, vous voyez, parfois il part, mais c'est juste une âme. Et le quorum de Dieu dit, il y a de la joie au ciel. Amen. Quand une âme Amen. Se répand, Amen. Les anges au ciel chantent. Amen. Le salut est là. Il y a un enfant de Dieu qui a accepté. Amen. Et c'était toi. Amen. Et après, un jour tu t'assieds, tu te dis, je comprends maintenant. Pourquoi quand nos amis allaient voler, moi, il y avait toujours une voix qui me disait, toi non, toi non, toi non, oui, oui. Frère, enfant de Dieu, on est enfant de Dieu. Pas lorsque tu t'es fait baptiser, là, dans le fin fond, et Dieu conduisait même tes pas. Un jour, on t'invite à une fête de mariage et tu tombes dans le filet. C'est pourquoi, même quand on est invité, la femme samaritaine, est allé inviter les gens. Venez voir. J'ai trouvé un homme qui m'a parlé de ma vie. En tout cas, venez. Ils arrivent, ils entendent Jésus-Christ prêcher. Après, il dit, écoute bien. Si nous avons cru, c'est pas parce que tu nous as invités. Nous-mêmes, nos oreilles ont entendu. Cet homme est vrai. C'est pourquoi nous tous dans la salle, ma soeur bien-aimée, on avait une invitation aussi. Un jour que nous avons invité, mais étant dans le plan de Dieu, même ton invitation là n'est pas un hasard. Non, non et non, Dieu te connaît. Même l'endroit où tu es assis, il t'avait déjà vu. Prends au sérieux cette parole. Dieu te connaît. C'est pas un hasard. Bon oui, je sais pas comment. Non, 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 non. Vous savez, même Ruth, écoutez. Lorsqu'elle devait les glaner dans le champ de Boaz, écoutez bien, ce n'était pas par hasard, c'était par bonheur. Être ici, ma soeur, c'est par bonheur. Parce que tu es au bon endroit. Ce n'était pas par hasard que Ruth était dans le champ de Boaz. Il y avait d'autres endroits, mais elle était là. En train de glaner dans le champ de Boaz. Boaz regarde et dit, ne la touchez pas. Laissez-la là. C'était par bonheur. Une fille des nations qui se retrouve là, dans le champ de Boaz. Un parent rédempteur. Bien-aimés frères et sœurs, c'est par bonheur que nous sommes là. C'est pour notre bonheur. Le moment meilleur de cette journée d'aujourd'hui, c'est maintenant. Par hasard, je me suis trouvé à cette église. Moi, c'est par bonheur. Parce que aujourd'hui, ça m'a fait du bien. Je suis appelé enfant de Dieu. Quelle appellation! Voyez quel amour!
le Père vous a témoigné pour que vous soyez appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Qui le croit? Qui le croit? Qui le croit? Nous sommes enfants de Dieu. Croyez-le, mon frère et ma soeur. Je suis enfant de Dieu. Alors, tu as peur de quoi? Ton Père est le roi des rois. C'est pourquoi l'homme de Dieu, frère, même pour, on ne doit pas, pour être vraiment fils dans une famille, il nous parle ici, il faut naître. Tout commence par naissance. Oh, il dit là, tous les autres peuvent être engagés, embauchés, mais les fils et les filles de Dieu naissent. Tout doit commencer là. Naissance. Et l'homme de Dieu dit, j'insiste, suivez ces audios. L'onction ne remplace pas la nouvelle naissance. L'onction ne remplace pas la nouvelle naissance. Il faut naître. Tout doit commencer là. Alléluia. Être ami, allons vers la fin. Prenons un exemple, toujours d'Abraham, qui est appelé ami des dieux. Ici, Jésus nous dit, « Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. » Bon, dans Genèse 18, Abraham, sur le chêne de Mamré, il voit trois hommes qui viennent vers lui. « Viens. » Abraham, il les reçoit. Celui du milieu reste avec lui. Les deux anges partent à Sodome pour aller frapper tous ces péchés mauvais, méchants qui se passent à Sodome et Gomorre. Celui qui reste avec Abraham, Abraham étant son ami, écoutez, cacherai-je? Amen. Cacherai-je à Abraham ce qui doit se passer? Abraham n'était pas appelé ami de Lot, ami de Dieu. Amen. Frère, on peut se... Je suis, mais nous devons tous amis de Jésus. Amen. Oh, mon frère Claude, c'est mon ami, mon ami. Oui, c'est bien. Mais il y a un seul ami fidèle. Amen. Qui nous trahira jamais. Amen. C'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui, l'ami fidèle. Même les amis du monde peuvent nous trahir. Peuvent nous trahir. Et quand on est véritablement un ami, on ne prend pas la chose d'autrui. Ça, c'est quelle amitié, ça? Un ami voler ma voiture, c'est pas un ami. Quand on est ami, on ne fait pas du mal à son prochain. Mais les amis du monde, parfois, nous trahissent. Mais Jésus, il ne nous trahira jamais. Amen. Cacherai-je, Abraham, ce que je dois faire? Son cœur a commencé à battre. Il dit, cacherai-je? Il regarde Abraham. Il dit, Abraham, il ne pouvait pas se contenir. Il ne pouvait pas jamais, mon frère. Il dit, il dit non. Comment faire? Il dit non. Abraham, je vais seulement enlever le secret. Abraham, appelé ami de Dieu. Ce matin, soyons heureux. Nous sommes appelés amis de Dieu. Alléluia! Amen. Nous sommes ses amis. Amen. Si nous faisons... Alléluia! Amen. Et le commandement de Jean 15, 17. Aimez-vous? Donc, un cœur renouvelé a la capacité d'aimer mon frère Jean-Claude.
passe là, au renouvellement intérieur. Il dit Abraham. Il dit Abraham, écoute. Ah, bon, écoute Abraham. Les deux anges là qui partent là. Voilà ce qui va se passer à Sodome. Abraham me dit, ah bon? C'est vrai ça, c'est oui, Sodome sera brûlé, frappé, fini, détruit. Ah. Abraham dit, Lot saura que j'étais son serviteur. Il va mourir là. Mais nous, on le fait parfois, on dit, bon, la sœur, hein, Seigneur, ce frère ici m'en veut, il détruit mon influence, montre-le que je suis ton fils. C'est quelle prière? Qu'il montre en faisant quoi? Mais Abraham ne l'a pas fait. Non. Non, mon frère. Abraham, il dit, quoi? Sodome brûlé. Mais il y a Lot. Regardez les sentiments. Alors que Lot lui a créé des problèmes. Il n'était pas facile. Mais il pouvait dire, bien fait pour Lot. Sodome sera détruit, il sera aussi détruit. Et je resterai en paix. Abraham dit, Sodome détruit. Ah! Mais il y a Lot là-bas. Il y a Lot. Bon, Seigneur, il dit oui. S'il y avait 1000, et toi frappé? Il dit non, Abraham. Les bons et les méchants les frappaient. Mais non. Il dit, ok, un point. Et s'il y avait 500? Mais non, Abraham. Au lieu qu'Abraham aille directement, lui, il commence. Bon, ok. Tu es sûr? Mais je suis sûr, Abraham. C'était un dialogue entre amis. Quand on est amis, je viens prier. Même quand tu pries, tu sens que c'est un dialogue. Ce n'est pas des prières forcées. Seigneur! Non, non. Tu sais, le mur de séparation est là. Réponds-toi d'abord. Ouvre ton cœur. Deux petites phrases suffisent. Quand ton cœur est pur, Seigneur, béni. Amen. Il n'y a pas question de déchirer les chemises. Non, 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 non. Jésus, il n'était pas costaud avec des muscles. Hein. Il était là, il n'avait ni beauté, ni. Il était là, un petit. Mais quand il y a tempête, arrête-toi. La tempête obéissait. Vous voyez, un petit David devant le grand Goliath, il a terrassé. Donc, un cœur pur, même quand tu pries, tu sens toi-même que la prière monte. Elle monte et il te répond. C'est entre amis. La question, c'est entre amis. Vous voyez? Il dit, s'il y a 500, s'il y a 3, si. Ah, Abraham est arrivé à son chiffre, à son nombre. Il est content, il dit, voilà. Vous voyez, les deux anges arrivent, ils trouvent Lot. Il lui dit, il faut sortir. Vous connaissez la suite. Mais la chose qu'on veut révéler là, c'est entre amis, il n'a pas pu lui cacher le secret, ce qui devait se passer là. Mes frères et sœurs, ce matin, sortons de la salle, te disant, je suis ami. Je suis son ami. Entre amis, on ne se trahit pas. Non. Non. Parce qu'il dit, si vous faites, il y a des commandements qu'il nous a laissés. Vivons-les. Et notre amitié va aussi demeurer. Vivons-les. C'est simple. C'est simple, mon frère. C'est simple. Vivre. Il dit, si vous faites ce que je vous commande, toujours l'homme de Dieu. Ah là 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 là. Lisez, ça va nous faciliter peut-être de ne pas lire ici. Écoutez. Moi, j'aimais lire ces livres. Regardez. Les élus croient Dieu en tout ce qu'il dit. Ils font ce qu'il a commandé. Obéissent à ses instructions. Chez eux, chez les élus, la parole, la foi, les œuvres sont en parfait accord. Amen.
Vous voyez, vous savez quelle amitié. Ceux qui nous commandent, on ne le fait pas. On brise la parole. On dit on est ami de Dieu. Non, non. Si vous faites ce que je vous commande, il nous commande ici de nous aimer les uns les autres. Quelques écritures et terminons. Lisez avec moi le psaume 25. Je pense que vous avez compris la leçon de ce matin. Et le psaume 25, 14. Le psaume 25, 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Alléluia. Matthieu 15. Quelques écritures qui nous parlent maintenant du cœur. Matthieu 15. Mon frère Ephraim qui me prépare Deutéronome 30. Matthieu 15. Matthieu, moi je lis Matthieu 15, le verset 8. Écoutez ceci. Écoutons Matthieu 15. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. Vous voyez, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ça, c'est une confession de lèvres. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Ces quatre critères doivent être en nous. Aimer Dieu de tout son cœur. Pas de lèvres, de tout son cœur. Mon frère, Deutéronome 30. Deutéronome 30, moi je vais lire Deutéronome 32. Deutéronome 30, le verset 2. Verset 2. Oui. Si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, voilà, selon tout ce que je t'ai prescrit aujourd'hui, voilà, alors l'Éternel ton Dieu, oui, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Oui. Et il te rassemblera encore du millier de tous les peuples, de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Voilà. Moi, là où je voulais tirer votre attention, c'est obéir à sa voix de tout ton cœur. Amen. Deutéronome 32. Deutéronome 32, 46. Mon frère Ephraim, le psaume 9, 2. Deutéronome 32, 46. Je vais lire moi ici. Il leur dit, prenez à cœur Amen. Toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui. Amen. De recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Amen. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont je vous aurai la possession après avoir passé le Jourdain. Amen. Amen. Le psaume 9, mon frère. Le verset 2. Attends mon frère, mes soeurs, vous allez venir nous chanter ce cantique-là, hein? C'est mon histoire, vous savez, chacun doit avoir son histoire, Amen. Avec son Dieu, Amen. Alléluia, Amen. Et personne ne vous déplacera de là, Amen. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer le Sauveur, le jour. Et si tu n'as pas ton histoire, mon frère Claude, un jour, tu diras, depuis qu'on nous a prêché, il revient. Non, frère, ça c'est du bluff.
tu vas abandonner. Mais si tu as cette histoire d'amour avec lui, même si nous on l'a abandonné, toi tu diras non. Il revient bientôt. Alors mon frère nous dit, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Et c'est ce que notre sœur a fait. Elle a raconté ses merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Ah. Le psaume 119 nous dit quoi? Venez avec moi dans le psaume 119. Le verset 11 nous dit quoi ici? Le psaume 119. Je sers ta parole. Où est-ce que tu la sers? Dans mon cœur. Afin de ne pas pécher contre toi. Loué sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Jérémie 31? Jérémie 31. Maintenant, après avoir enlevé ses cœurs de pierre, il nous donne un cœur nouveau. Il enlève ses cœurs incrédules. Il nous donne un cœur de chair. Amen. Un cœur qui croira la parole. Amen. Qu'est-ce qu'il fait dans Jérémie 31, le verset 33? Ceci était déjà dit dans l'Ancien Testament. Il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Amen. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Amen. Je l'écrirai dans leur cœur. Amen. Alléluia. Amen. Cette parole doit être écrite là. Afin que nous la vivions. Lisons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 3, 3. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Oui, ici. 3, 3. Il nous dit ceci. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Amen. Écrite par notre ministère. Non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Amen. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, c'est-à-dire sur le cœur. Alléluia. Amen. Matthieu 23. Matthieu 23. Les jeunes, préparez-vous déjà. Ma soeur Karine avec son équipe. Matthieu 23, le verset 25. Il nous chante, c'est mon histoire. Chacun doit avoir son histoire. Amen. Alléluia. Amen. Malheur, Matthieu 23, 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors. Aïe. Le dehors. Le dehors est bien. Et de la coupe et du plat. Et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur, le renouvellement. La véritable circoncision, c'est celle du cœur. Alléluia. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne, vous voyez, Matthieu 12, verset 34, Matthieu 12, 34. Qu'est-ce qu'il nous dit? Race de vipères. Ah, c'était des prédications terribles. Vous voyez, le prédicateur, il commence par pointer les gens qui viennent à l'église. Race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Méchant comme vous l'êtes. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche. C'est pourquoi l'homme sage, c'était. Il réfléchit avant. Et puis, frère, j'ai juste dit comme ça. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu enlèves tout. Quand on est sage, on est né de Dieu. Non. Même ce qui sort. Maintenant, écoutez, c'est là qu'on va terminer le proverbe 16. Regardez avec moi. Le proverbe 16. Proverbe 16 ici. Proverbe 16,
23 nous dit quoi? Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Toi qui es sage du cœur, tu manifesteras la sagesse par ta bouche et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Vous savez, même quand on fait une réprimande, mais avec sagesse. Il peut y avoir des paroles dures là-dedans, mais cette réprimande, ça sera des paroles agréables comme un rayon de miel. Vous voyez, même quand on fait une réprimande, il y a des paroles qui peuvent être... Parce que la Bible nous dit de censurer, exhorte, oui, mais les paroles, même la manière de faire, la personne peut dire vraiment, frère, j'ai fauté. Même si un frère a péché, je n'ai pas le droit de venir. Frère, toi tu es un démon. Mais qui suis-je? Il peut me donner un coup. Parce que quand nous sortons de la parole, là c'est le diable maintenant qui vous attend. Il faut faire attention. Mais quand je viens, mon frère, tu sais qu'un fils de Dieu, ce n'est pas sa position. Jésus t'aime. Ce que tu as fait, conformément à la parole, n'est pas correct. Tu verras même un frère âgé, il tombe. Seigneur Jésus. Tu dis, mais frère, j'ai besoin de... Parce que les paroles, là, c'est ce qui convainc. C'est pas moi, Michel. Non, la personne que je transmets, frère bien-aimé, ce n'est pas toi. Un fils de Dieu n'est pas comme ça. Jésus t'aime. Il est mort à la croix nue. Tu fais encore ça. Bien-aimé, reviens à lui. Tu verras le frère. Qu'est-ce que je dois faire? Dieu a un cœur comme ça. Il a les bras comme ça. Mettons-nous debout, mes frères bien-aimés. Que Dieu nous aide. Nous devons manifester la nature de Dieu.